Et on se retrouve pour du Isaac. Alors, on va reprendre Magdalène, qui est, je rappelle, morte face au cœur de Mom. C'était une triste défaite. Le cœur de Mom m'était presque fini et je me suis fait toucher comme un caca. Ah bah ça c'est malin. C'est vrai que pour Isaac, la caméra c'est pas top, ça cache un peu le jeu, mais bon, j'ai la flemme de faire 15 millions de setups différents. Eh ben, je n'aurai pas de bombe pour cet étage. Très bien, très bien, très bien. J'ai rien dit, j'ai des bombes. Ouais. Ah, d'ailleurs. Isaac. Et je joue à Binding. Voilà. Mon bébé. Kiki a bébé. Ma oui, bébé. Ma oui. Ça va. Bébé. Qui tu fais? Tu t'échoues sur la manette. Oh non! Je me fais toucher par une araignée. Zut, j'ai pas fait gaffe à l'autre. Oh oui, mon bébé.
Ouh! Oh, mais oui, mon bébé. C'est le gros ronron, hein. Mais non, pourquoi j'ai posé une bombe? Je me suis trompé de touche. Ah cool, une autre clé, merci. On va pouvoir aller au shop. Oh bah bébé. Oh zut! J'ai essayé. J'ai réussi une diagonale sur deux. Un bébé. Un bébé. Oh oui, hein. Eh ben c'était super pratique.
sait jamais, des fois que je trouve un Magic Mushroom. Ah oui, une clé. Oh bah tiens. T'as la clé, sors, sors, sors! Non, mais oui, je vois la référence. Allez, vite, 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 sors, 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 sors! C'est genre Fort Boyard. Je cherche la super secrète, comme j'ai le truc qui permet de voir les salles cachées. Isaac, c'est cool, ouais. Il y a beaucoup de contenu maintenant, mais c'est très sympa comme jeu. Enfin, en tout cas, moi, j'aime beaucoup. C'est pas forcément facile tous les jours, surtout que moi, en plus, je suis très douée pour marcher dans les pics, pour aller dans les dégâts, là où il faut pas. Je sais pas ce que c'est, ce trinket. Je sais pas à combien il est, mais je sais que sur Steam il est souvent en solde, donc il y a moyen peut-être de l'avoir pour un bon prix. Et moi je l'ai sur Switch, et il est aussi sur PC, il est sur quasiment toutes les consoles en fait. Il est sur toutes les consoles. Bon, de toute manière, je vais full clear, hein, comme d'hab. Oh, cette salle infernale. Oups. Alors, des fois, j'ai du mal à changer de direction parce que Nissi dort à moitié sur la manette. Donc, c'est pas toujours hyper pratique quand j'ai besoin de changer de direction rapidement. Oh zut! Mon cœur est noir! Parce que elle est couchée sur les boutons,
Je peux pas utiliser le joystick. En fait, Isaac, tu déplaces ton personnage avec le stick gauche ou avec le pad et tu tires dans les directions avec soit les boutons à droite, soit avec le stick droit. Mais Nissi, elle est allongée sur le stick droit, donc du coup, c'est pas toujours pr très pratique pour changer de direction rapidement. Ah non, pas la tique. Je vais aller voir ce qui est au shop du coup. Eh bien au shop, on a eu un remboursement de clés. Je vais déjà aller faire le boss parce que j'ai peur de perdre mon Devil Deal. Parce qu'en fait... le Devil Deal, c'est là où j'ai pris les deux objets dans une salle spéciale. Là, on voit sur la gauche, j'ai 67,5% de chance d'avoir une pièce qui apparaît après la fin du combat de boss. Et en général, ça s'appelle le Devil Deal parce que c'est celui qui vient en premier. Mais si jamais on ne fait pas de pacte avec le démon, on peut avoir des God Room. Et dans ce cas, ce sera en dessous du 67,50, il y aura marqué par exemple 50% de chance d'avoir une Angel Room plutôt que d'avoir un Devil Deal. Mais comme j'ai pris des objets au Devil Deal, j'ai plus accès aux anges du tout. Donc il faut faire attention. Et là, ce qui est très important, c'est que j'ai que des cœurs rouges. Si je me fais toucher pendant le boss... je vais perdre mes chances de Devil Deal parce que quand tu te fais toucher dans tes cœurs rouges, tes chances de Devil Deal diminuent drastiquement, donc c'est assez compliqué. L'argent, ça sert à acheter des trucs, des fois à reroll des objets parce qu'il peut y avoir des machines de reroll d'objets, et ça peut servir pour un objet qui s'appelle Money Equal Power et qui fait en gros que plus t'as d'argent, plus tu fais de dégâts. Je vole! J'aurais bien aimé prendre bébé Brimstone, mais... Ça m'aurait tué. Donc là, j'ai plus qu'un cœur, donc ça va être chaud du cul. Et ben voilà. Ah, dommage. Ça partait si bien. Ah bah tiens, Curse of the Tower. Ouais, quand tu meurs, tu recommences depuis le début. Et en fait, normalement, les ennemis, ils enlèvent que un demi-cœur quand tu te fais toucher, sauf les ennemis d'élite qui ont en général une couleur particulière. Et là, c'était le cas. Eux, ils enlèvent un cœur entier. C'est pour ça que je suis morte au premier hit. C'est parce que il a enlevé un cœur entier au lieu d'enlever un demi-cœur.
C'est répétitif en soi, mais c'est conçu pour en fait. Et après, t'as plein de challenges à tenter, donc c'est répétitif, oui et non. Chaque partie a plein de choses qui sont générées aléatoirement, donc il y a aucune partie qui va vraiment se ressembler. Donc puis ça varie aussi en fonction du personnage que tu utilises. Il y a des personnages qui sont plus chiants à utiliser que d'autres, donc c'est répétitif, oui et non. Voilà. Oh zut. Petit Mom's Knife, pas mal. Donc là, je pleure plus des larmes, je tire un couteau. Soit je peux le spammer à très courte distance, soit je le laisse enfoncer et il peut aller plus loin. Il y a différents personnages et ils ont chacun leurs propres stats, leurs propres particularités. Je montrerai ça après. Nice! Ah oui, le jeu, tu peux y rejouer à l'infini, c'est assez sympa, ouais. Zut. Et voilà, mon Devil Deal, il va être niqué. Même pas. Pas encore. J'ai eu du bol. Oh non, oh non! Et ben voilà. Adieu le Devil Deal. Ah non, mais dans une pièce comme ça, c'est l'enfer. Donc, au lieu d'avoir 100% de chance d'avoir une Devil Deal après le boss, j'ai plus que 36%. Ah merde, c'est vrai, je peux pas faire ça avec Curse of the Tower. Le Devil Deal, c'est le pacte, c'est la pièce qui apparaît après avoir complété le boss. Et c'est là où tu peux faire des pactes avec le diable. J'aimerais bien le Steam Sale, j'espère que je vais trouver des sous.
Bah, pas de sous. Oh, mais zut! Et ben voilà, pas de Devil Deal. Et pas de sous non plus pour récupérer le Steam Sale. Je suis très déçue. On a tout fait. C'était quoi ce qu'il y avait dans cette pièce-là déjà? Ah ben oui, c'est le store. Je suis bête. Dommage. Bah, je vais prendre la clé du coup. Comme ça, j'aurai au moins une clé assurée pour le prochain étage. Oui, bah oui, mais il y a des monstres qui sont vraiment moches par contre. Et il faut, quand tu recherches un truc sur le jeu, faut toujours préciser Binding of Isaac parce que sinon tu risques de tomber sur des choses un peu dégueulasses. Donc il faut faire attention à ce que tu googles quand tu googles le jeu. Ah, mes crottes! C'est ça, le couteau c'est intéressant à jouer parce que ça peut faire très mal, mais on a aussi des moments où on est très vulnérable, donc il faut faire gaffe. Pas de Magic Mushroom. La pilule que j'ai pris, ça faisait que si les ennemis marchaient dans le pipi, eh bien, merde, ça leur aurait fait des dégâts. C'est un peu une attaque de zone. Ah oh, zut! Je teste pas les boutons, je le sens pas. Ah oh, mais merde, moi je fonce dedans! Adieu Devil Deal. C'est terrible, tout est terrible.
Oh, mais je me bouffe la larme en plein milieu parce que je suis resté devant comme un con. Ah ben oui, ça donne des objets, ça peut donner des objets vachement intéressants, donc on a tout exploré, à part la Curse Room. Se faire toucher pile sur la fin dans mes pires trucs. Je vais aller faire la Curse Room. J'aurais pas dû ramasser le cœur bleu. Je suis con. Je fais beaucoup beaucoup d'erreurs. Il y a des gens qui jouent bien mieux que moi à Binding of Isaac. Je suis absolument pas une référence pour ce jeu, donc. Ah bah super. Ouh! J'ai encore failli rester dans les dégâts. Oh merde! J'étais sûre que j'allais me faire toucher. Au revoir, Devil Deal. Mais je marche dedans, non mais aussi je fais aucun effort. Oh mais qu'est-ce que je joue mal? Oh, mais niquez-vous! J'arrive jamais à éviter les projectiles comme il faut, c'est terrible. Oh! Je vais encore mourir avec Magdalène! Là, c'est pareil, les ennemis, ils laissent du sang par terre. Si je marche dessus, ça me fait mal.
C'est ça, si tu te fais toucher dans les cœurs rouges, tes probabilités de Devil Deal sont vraiment réduites. Ça peut toujours apparaître, mais les chances sont beaucoup moins élevées que si tu te faisais pas toucher. Oh, mais j'en peux plus de me faire toucher comme un caca! Ah bah bien. Non mais c'est à croire que je le fais exprès, hein. C'était par où le boss déjà? C'était par là? Salut, salut! Ah non, mais là c'est déjà niqué, parce que comme j'ai été faire le boss, c'est déjà foutu en fait. C'est fini depuis très longtemps. Ah mais le jeu, c'est très caca pipi, hein, donc mais oui, il y a le bébé chat. Bah oui, bébé. Ah bah oui, frotte-toi au micro. Qu'est-ce que tu fais? Mais où est mon bébé? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Pas de soucis, bon appétit et bon courage pour les cours. Au revoir le Devil Deal. C'est surprenant. Non. Évidemment que non. Donc là, je me suis fait toucher dans les cœurs rouges. Au lieu d'avoir 100% de probabilité de Devil Deal, j'en ai plus que 36%. Et si je me fais toucher dans le combat de boss, j'aurai plus que 1% de Devil Deal. Tu cherches du travail en coiffure? Ah bah j'espère que tu trouveras.
Mais ouais, c'est compliqué. Puis en plus, avec les restrictions dues au Covid, je sais pas trop comment ça se passe. Donc, j'espère que tu finiras par trouver. Tu vas faire les vendanges. C'est vrai que c'est un bon plan, les vendanges. Please, please, please. Non. Dry baby! Zut. Super. C'est que je commence à avoir faim, moi aussi d'ailleurs. J'aime pas cette salle. Mais je marche dedans en plus.
Merci de Dry Baby. Mais c'est pas vrai! Oh là là! J'avais tout pour réussir! Et voilà, il y avait un cœur bleu juste là. Ah mais non, j'ai Curse of Tower, donc ça marche pas. Ça valait le coup. Pas de soucis, bon appétit. Yes, bien sûr. Je sais pas ce que ça fait, ça.
J'ai eu un Devil Deal, mais ça va être Krampus, c'est ça? Même pas! Allez, je prends les deux. Super. Mais non, mais je me suis trompé de touche! J'ai appuyé sur la touche des bombes au lieu d'appuyer sur la touche des piles. Non mais j'en peux plus de moi, hein, franchement. Tellement, mais tellement envie de me fesse palmer la tête si fort. Ah, 2 minutes. Ça risque de ressonner chez moi, mais j'irai pas ouvrir.
me fais toucher par un ennemi qui bouge pas. Comment on peut être con à ce point? Bon, bah décidément, on n'arrivera pas à faire de partie avec Magdalene. Sur ce, moi je vous laisse. Je vais aller manger. Bon appétit. Et peut-être à cet après-midi. Des bisous.